Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez ? Moi c'est Jimmy. Bonjour, moi c'est Célia. Et vos deux enfants ? Tom, le plus grand, et Lucas, le plus petit. D'accord. Et alors vous êtes les heureux propriétaires de ce van qui est derrière nous là, qui est un combi T2 de quelle année ? Alors le combi T2 de 1978. 40 ans tout rond. Voilà, février 78. Donc il a eu 40 ans il y a quelques mois. Et son petit surnom c'est Bazou. Son premier propriétaire l'a surnommé Bazou, donc on a continué dans la lancée, donc il s'appelle Bazou. On a connu le monde du camping-car grâce à Yescapa. Ouais. On avait loué un camping-car il y a environ 2 ans. Et puis, qu'on a vraiment adoré cet esprit de voyage, de liberté, de totale autonomie. C'est vraiment un monde à part. Okay. Et puis, on est tombé sur cette petite affaire qui nous a vraiment ravis. Et maintenant, ça va bientôt faire 1 an qu'on l'a. On parcourt un petit peu la Drôme, on commence à partir un peu de la Drôme pour s'évader un peu plus. Parce qu'avec ce genre de véhicule, on n'ose pas trop partir loin parce que la fiabilité, vu qu'il a 40 ans. Mais plus le temps passe et plus on s'éloigne. Là, on vient de la Drôme, donc on a fait environ 300 km, 5 heures de route. Vous habitez à Valence, c'est ça ? Voilà, on vient de Valence, un petit village qui s'appelle Chabeuil, pied du Vercors. Alors Jimmy, cet aménagement, moi j'ai remarqué tout de suite que votre van, il avait un toit pop-up. C'est assez rare sur des aménagements de T2. C'est très rare, oui. Ouais. Alors c'est pas un Westphalia. C'est pas un Westphalia, donc c'est un T2 Devon. Donc c'est un préparateur qui sortait d'usine, les prenait et les préparait vraiment à leur sauce. Et c'est l'un des seuls à avoir une gazinière qui puisse se pivoter dehors avec une cheminée qui se monte. Comme ça, on peut faire la cuisine dehors, sans mettre d'odeur, dans le combi. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent, quand je fais des expositions de combi, j'ai souvent des gens qui ont des Westphalia ou des T2 aménagés qui me demandent mais d'où sort cette cuisinière, d'où sort cet aménagement, parce que c'est vraiment pas commun. Pareil, le toit est typique du Devon, donc ils appellent ça un toit en champignon. Donc il se lève entièrement et il n'y a pas qu'un côté qui se lève. C'est ça. Et alors, il est resté dans son état d'origine ? Alors, il est dans son état d'origine, il y a des cicatrices de partout. Moi j'ai juste mis une petite housse sur la roue de secours. J'ai peint les pare-chocs très récemment et les enjoliveurs de roue. Et c'est tout ce que j'ai réalisé dessus. Une petite remise en route du moteur, un nettoyage de carbu, tout ça par un professionnel. Et on est parti sur la route. Je voulais tout de suite le restaurer au début quand je l'ai eu, mais on m'a conseillé d'en profiter. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans une restauration, il y en a pour 1 an et on n'en profite pas. Donc j'ai voulu profiter et au final je suis bien content d'en profiter. Il a pas de problème d'étanchéité. Sur la route, il se comporte comment ? Il se comporte à merveille. Ouais. Ça freine bien, ça tourne bien. C'est différent à conduire d'une voiture d'aujourd'hui ? C'est très différent. Il n'y a aucune assistance. Les vitesses, faut se mettre au point mort, attendre un petit peu, passer la vitesse. Mais ça a son charme. Il faut vraiment rouler à la cool. On s'habitue très vite. Ouais. Et le freinage ? Le freinage, faut anticiper parce que les freins chauffent beaucoup. Donc quand on fait des petits cols de montagne, tout ça, dans les descentes, faut anticiper beaucoup avec le frein moteur. Et vu que c'est un véhicule qui pèse à vide 1,5 tonne, 1,6 tonne, c'est assez lourd. Donc faut vraiment anticiper. C'est assez lourd par rapport à un camping-car d'aujourd'hui, ça reste assez léger. Ça reste assez léger, c'est vrai. Bon alors Jimmy, qu'est-ce que vous faites avec ce van ? Où est-ce que vous êtes déjà parti ? Alors au début qu'on l'a eu, on partait pas très loin, donc on partait près de chez nous pour la fiabilité du moteur. Mais plus le temps passe et plus on s'est éloigné. Donc après le Vercors, on a fait un camping vintage à Goudargues qui est vraiment sympathique, où là on peut déconnecter de tout. Et c'était à 2h30 de route. Bon, bien entendu, on ne prend jamais l'autoroute.
parce que c'est pas dans l'esprit du combi. Bah oui, puis vous roulez à combien avec ce combi? Alors, quand je l'ai eu, je l'ai poussé en vitesse maximum à 115 km/h, mais je l'ai fait une fois. Et en vitesse de croisière, quand on part, on roule à 70, 80, quelquefois 90. Et après, le combi, c'est un moteur qui refroidit par air, donc il faut de temps en temps s'arrêter pour pouvoir le refroidir un petit peu, surtout quand il fait chaud. Le moteur est à l'arrière, c'est une propulsion, donc il faut faire attention sur les terrains accidentés, de ne pas s'embourber, et puis il faut faire attention. Alors une fois dans le combi, comment il s'appelle déjà? Bouzo? Bazou. 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 Une fois dans le combi, qui dort où? Alors, pour l'instant, on s'est organisé de façon à ce que je dorme avec le plus petit, qui dort le moins bien, évidemment. Et on met une tente à l'extérieur, comme ça, le papa dort avec le plus grand. D'accord, parce qu'il n'y a pas de lit à l'étage. Alors, il serait possible d'en mettre deux hamacs là, qui partent de chaque côté, comme ça. On les a pas, tout simplement. Maintenant, on a un hamac qui s'installe sur les sièges avant, au-dessus du volant. Donc, ça fait comme une toile tendue. Et comme ça, on peut mettre les enfants. On a un genre de moustiquaire qui protège des chutes. Oui. Donc, c'est ce qu'on va sûrement essayer ce soir. Ah, d'accord. Mais vous l'avez jamais essayé encore? On l'avait installé, mais il était trop petit. Ça lui plaisait pas. On va essayer ce soir. D'accord. La première. Ok. Donc là, pour l'instant, le seul couchage, hormis ces possibilités de hamac, c'est la banquette qui se déploie. C'est ça. Qui va jusqu'au niveau de nos pieds. Ouais. Et qui va jusqu'à la vitre derrière. On est très limité niveau dérangement. Ouais. Donc on a un petit coffre pour aussi pour mettre les vêtements. Parce que vu que c'est du bois, c'est un peu fragile. On a tout un rangement sous la banquette. Oui. Voilà. Là, il y a un petit rangement, c'est pour la réserve d'eau pour le robinet. Et ensuite, on a un petit garde-manger. Voilà. Et voilà. Et après, quand on roule, quand on dort pas dedans, on a tout le coffre qui est libre. Où on met poussettes et tout ce qui va pour vivre. Et ça vous suffit? Et absolument. Ça suffit. On prend le strict minimum et ça nous suffit largement. Bon, très bien. Au niveau de la cuisine, est-ce que vous cuisinez à bord? Absolument, moi j'adore cuisiner. Donc on mange chaud, pas tous les repas, mais voilà, on sort la gazinière à l'extérieur puisqu'elle pivote. Et oui. Et on peut cuisiner. Vous avez deux feux? On a deux feux. Trois. Trois feux, ouais. Trois feux. On a trois feux et on peut mettre une grosse cocotte. Voilà. Tout ça avec une bouteille de gaz standard. Donc, ouais. D'accord. C'est ça. Gaz nomade. On m'a proposé de racheter la gazinière, le frigo et les boutons de porte, les petits détails comme ça qui sont plus trouvables à des prix totalement fous. Quelle serait la valeur d'un combi comme celui-ci aujourd'hui? Donc comme ça, sans restauration, c'est un véhicule qui vaut entre 15 et 20 000 euros. Parce que c'est un véhicule qui est totalement fonctionnel. Il roule, donc il n'y a aucun problème. Il passe les contrôles techniques sans problème. Les anciens contrôles techniques, parce que les nouveaux maintenant sont différents. Et après restauration, ça vaut entre 20 et 30 000, voire plus. S'il y a des petits détails comme voilà, la bâche de toit qui se lève entièrement, les lits qui sont complets, les meubles qui sont complets. Si c'est d'origine bien entretenu, ça peut valoir très cher. Et oui, c'est un véhicule de collection. C'est un véhicule comme de collection. Autres, et le goût du vintage, c'est la mode. Donc voilà. Mais vous ne vendez pas de toute façon. Non.